Je suis le père Kofi Anno-Jean-Marie du diocèse de Grand Bassam, en service à la paroisse Sainte-Anne de Port-Boué comme vicaire. Pour ce temps de carême, nous allons marquer un arrêt, méditer sur un thème dont la pratique nous est toujours au fait. Le temps de carême comme un temps favorable pour bénéficier de la miséricorde divine. Le temps de carême, dit-on, est un temps de conversion. Et qui parle de conversion parle également d'une prise de conscience. Une prise de conscience de son état de pécheur. Et de cette prise de conscience naîtra la démarche en vue de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Et après cette miséricorde de Dieu accordée, nous pourrons alors vivre en enfant de Dieu. Ces trois étapes que je viens de donner, la prise de conscience, le bénéfice de la miséricorde de Dieu et le vécu en tant qu'enfant de Dieu, sont des étapes et des démarches prises en compte par le sacrement de la pénitence, encore appelé sacrement de la miséricorde, aux confessions. Allons à la découverte du fondement scripturaire de ce sacrement de la confession. Lisons donc dans l'évangile de Saint Jean, l'épisode qui nous parle de l'apparition de Jésus après sa résurrection, précisément Jean 20, 19 à 23. Le soir même de ce dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie et voyant le Seigneur, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ceux à qui vous pardonnerez leurs fautes, ils obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon, il ne leur sera pas obtenu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De cet épisode que nous venons de lire, nous découvrons qu'après la résurrection, les apôtres sont apeurés. Ils sont enfermés. Et le Seigneur, qui vient à leur rencontre, leur souhaite d'abord la paix. La paix du Seigneur est en vue de libérer leur cœur de l'inquiétude. Cette paix est en vue de libérer leur cœur de la peur. Cette paix est en vue de libérer les disciples de toute inquiétude et de toute misère. Et le Seigneur vient à travers cette paix souhaitée, remplir cette misère de ses apôtres. Ce trou laissé par son départ, ce vide qu'il veut remplir par sa présence. Et après qu'il leur ait souhaité la paix, par deux fois, selon l'évangile que nous avons écouté, il vient à leur donner la grâce, le souffle de son esprit. Il dit en effet, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs fautes leur seront pardonnées. Et à ceux à qui vous refuserez le pardon, ils n'obtiendront pas le pardon. Voyez-vous, le Seigneur établit ainsi par ses apôtres, ses premiers pasteurs de son Église, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la pénitence, la confession comme on aime communément l'appeler. Et l'Église catholique a la chance de bénéficier de la succession apostolique depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui sont les ministres ordinaires de ce sacrement sont les prêtres et par conséquent les évêques, puisqu'ils sont prêtres avant d'être évêques. Mais pour bénéficier pleinement de la confession, il nous faut pouvoir savoir comment se confesser. Ce n'est pas toujours évident. La confession, en effet, a trois parties. Ces trois parties, nous pouvons, en thème d'image, les considérer comme étant la première partie, la tête ou l'introduction,
La deuxième partie, le tronc ou le développement. Et la troisième partie, la conclusion ou les membres inférieurs. Donc, si on prend le corps humain, on dira la tête, le tronc et les membres inférieurs. Si on prend une structure littéraire, on dira l'introduction, le développement et la conclusion. Voyez-vous, quand on doit se confesser, nous devons donc partir étape par étape. Et comme je le disais à l'entame de ce temps d'échange, pour bénéficier de la bénédiction de Dieu, dans ce temps de pénitence, il y a la prise de conscience. Il y a la miséricorde de Dieu et la vie d'enfant de Dieu. Partons donc étape par étape pour découvrir ces trois parties. Dans la première partie, on n'est même pas encore devant le prêtre. Nous sommes soit chez nous, ou bien nous nous retrouvons dans un endroit silencieux, un endroit adéquat pour pouvoir méditer. Méditer sur sa vie à la suite du Christ. Et là, nous sommes invités à faire ce qu'on appelle un examen de conscience, une prise de conscience de son état de pécheur. Pour cela, on pourrait dire, mais comment donc faire une bonne prise de conscience? Comment faire un bon examen de conscience? Il y a des propositions, entre guillemets des topos, voyez, qui ressemblent à des miroirs face auxquels on se regarde et par rapport auxquels on peut découvrir et déceler ce qui a offensé notre relation avec Dieu et notre relation avec le prochain, avec le frère. Comme premier miroir que j'aimerais proposer, il y a les 10 commandements. On analyse donc sa vie au miroir des 10 commandements. Comment a été notre vie? Depuis notre dernière confession jusqu'à la confession que nous voulons faire, alors on s'assoit silencieusement et on essaie de se souvenir. On peut prendre le premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Est-ce que depuis ma dernière confession, jusqu'à maintenant, où je m'apprête à venir me confesser, est-ce vraiment que j'ai donné tout mon amour à Dieu? Est-ce que j'ai vraiment médité, travaillé à ce que toutes mes actions, tous mes actes soient ordonnés au plaisir de Dieu, à la volonté de Dieu? Si je le fais ainsi, alors je rends grâce à Dieu. Mais si je ne l'ai pas fait, je dois pouvoir retenir que en tel point de ma vie, en tel autre point de ma vie, je n'ai pas été conforme à la volonté de Dieu. Je n'ai pas donné tout mon amour à Dieu. Je n'ai pas vraiment vécu selon ce que Dieu attend de moi. Je ne l'ai pas adoré véritablement. Je ne lui ai pas donné tout mon temps. Alors, je retiens que je n'ai pas aimé Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Ça fait déjà un point que je pourrais confesser. Deuxième commandement, c'est dire le nom de Dieu avec respect. Est-ce que depuis ma dernière confession, jusqu'à la confession que je vais faire, est-ce que vraiment, quand Dieu sort de ma bouche, c'est avec respect? Est-ce que souvent, je ne préteste pas dire le nom de Dieu alors que je sais que je suis en train de dire, par exemple, un mensonge ou jurer pour me sortir d'affaire afin que les autres me croient alors qu'intérieurement, je sais que je suis en train de dire une contre-vérité? Est-ce que le nom de Dieu est prononcé et dit avec tout le respect qu'il faut? Ce sont des choses que nous vivons entre nous. Notre papa, il a un nom, mais on l'appelle papa. On ne l'appelle pas par son nom, par respect pour lui. C'est vrai qu'il y a des taquineries entre enfants et parents dans une certaine tranche d'âge. Mais ordinairement, l'enfant n'appelle pas son père par son nom. Il dit toujours papa. Alors, Dieu qui est notre père, nous avons le devoir de l'honorer, de le respecter, de respecter son nom. Et ce commandement donc concerne le respect pour le nom de Dieu. Est-ce que j'ai vraiment agi ainsi? Si j'ai agi ainsi, alors on rend grâce à Dieu. Mais si je n'ai pas agi ainsi, je dois pouvoir confesser que je n'ai pas toujours dit le nom de Dieu avec respect. Le troisième commandement nous parle de la sanctification du jour du Seigneur. Sanctifier le jour du Seigneur, c'est beaucoup de choses. Le jour du Seigneur, pour nous chrétiens, c'est le dimanche. Mais avant de venir à l'église le dimanche, ai-je pris le temps de me disposer intérieurement? Ai-je pris le temps, par exemple, de regarder de quoi parle le texte? De quoi parle l'évangile?
Est-ce que je prends le temps de venir un peu avant la messe pour me mettre dans les dispositions pour bénéficier de tout ce qui sera partagé au cours de l'Eucharistie? Est-ce que je prends le temps, pendant la célébration, de suivre chaque étape de la messe pour vraiment m'enrichir de ces étapes? Est-ce que je prends le temps d'écouter afin de pouvoir exprimer? Est-ce que je ne me laisse pas distraire par des situations qui environnent la célébration? Suis-je vraiment là, de corps et d'esprit, pendant la célébration? Voilà un peu certaines choses qui entrent dans le cadre de sanctifier le jeu du Seigneur et après la messe. Ai-je retenu quelque chose qui va me permettre de pouvoir orienter ma vie au cours de la semaine? Voici tout ce qui enrichit ce commandement de la sanctification du jeu du Seigneur. Si je le fais ainsi, alors je rends grâce à Dieu. Mais si je ne l'ai pas fait, je dois pouvoir me rappeler que j'ai offensé ce commandement. Alors, je dois pouvoir me confesser pour bénéficier de la miséricorde de Dieu et repartir à nouveau. Le quatrième commandement, c'est l'honneur aux parents. Tu honoreras ton père et ta mère. Oui, le texte biblique dit ton père et ta mère. Mais au-delà, nous pouvons y voir toutes les personnes qui sont de la génération de nos parents. Nous pouvons y voir des personnes adultes qui sont là, qui vivent avec nous au quartier, qui vivent avec nous sur la paroisse, qui vivent avec nous dans nos services, qui vivent avec nous là où nous apprenons les choses de la vie. Est-ce que nous les respectons? À nos parents biologiques, est-ce que nous donnons l'honneur? Est-ce que nous les donnons de l'affection, de l'attention? Si nous le faisons ainsi, alors on rend grâce à Dieu. Mais si nous ne le faisons pas, nous devons pouvoir nous rappeler que nous avons offensé ce commandement. Et alors, nous confesser. Pour bénéficier de la miséricorde de Dieu et repartir à nouveau. On peut descendre tous les commandements au fur et à mesure et faire la même démarche. Mais là, nous ne sommes même pas encore devant le prêtre. Nous sommes seuls, soit à la maison, dans notre chambre, soit dans l'église, dans un endroit calme, ou bien même dans un endroit vraiment qui nous permet d'avoir la possibilité d'entrer en nous-mêmes et de redécouvrir ce qui a fait notre vis-à-vis avec Dieu, notre vis-à-vis avec le prochain. Vous avez dû constater que les trois premiers commandements concernent la relation avec Dieu, mais les sept autres des dix commandements concernent la relation avec le frère, avec le prochain. Il y a le non-voler, il y a le non-mentir, il y a le non-tuer, il y a le non-commettre d'adultère. Est-ce que face à ces commandements, je me reproche des choses en toute sincérité ou est-ce que j'ai pu vivre en tenant compte de cela? Quand on prend par exemple le commandement de « tu ne tueras pas », on peut penser que c'est prendre une âme blanche ou une âme à feu pour ôter la vie. Non, ce n'est pas que ça. Quand je vilipende mon frère ou ma sœur, je le tue, je la tue. Lorsque je diffame mon frère ou ma sœur, je le tue, je la tue. Lorsque je calomnie mon frère ou ma sœur, je le tue, je la tue. Parce que je lui ôte ce qui fait sa dignité. Voici des possibilités de comprendre ce commandement de « tu ne tueras pas ». Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous faisons souvent, mais que nous ne prenons pas en compte lorsque nous venons vers ce sacrement du pardon, vers ce sacrement de la réconciliation, vers ce sacrement de la pénitence. Et pourtant, il nous faut les prendre en compte. C'est pourquoi une bonne confession demande une bonne introduction, demande que nous puissions vivre pleinement la tête de la confession, qui est cette étape de l'examen de conscience. Quelquefois, on peut faire un bon examen de conscience et puis arriver devant le prêtre, on oublie parce que on n'a pas une bonne mémoire. Alors, à ceux qui sont dans ce cas, je veux proposer une technique. On peut prendre un papier, on peut écrire lorsqu'on fait notre examen de conscience. Et l'examen de conscience, ce n'est pas lorsqu'on est en train de passer et puis on voit que le prêtre est assis pour se confesser, qu'on s'assoit et puis on commence à faire notre examen de conscience. Non, c'est dit un jour, deux jours, trois jours,
Je sens le besoin de me confesser. Alors je me prépare. Je prends le temps donc de me préparer, de faire un bon examen de conscience avant de partir vers le confessionnat, avant de partir vers le prêtre pour recevoir la grâce du pardon. Alors, comme je le disais, une méthode, c'est d'écrire. On écrit lorsque nous faisons notre examen de conscience en vue de ne pas oublier. Et après la confession, on pourra détruire notre papier, on pourra le brûler, on pourra le déchirer, on pourra le jeter vraiment avec toutes les possibilités, même le manger, hein, le réduire en miettes, et puis le détruire, de sorte à ce qu'il n'y ait aucun risque qu'une autre personne puisse prendre notre papier pour s'enquérir de ce qui a fait notre laideur que nous avons jeté par le sacrement de la pénitence. Voici un peu, frères et sœurs, ce qui constitue l'introduction. Et comme je le disais, les 10 commandements sont un miroir. Il y a beaucoup de possibilités pour faire l'examen de conscience. On peut prendre par exemple aussi les 7 péchés capitaux. La gourmandise. Comment me suis-je comporté face à ce péché? Suis-je gourmand? Ne le suis-je pas? Et puis, j'analyse ma vie depuis ma dernière confession jusqu'à la confession que je vais faire. Et puis, si j'ai été gourmand, je prends en compte cela. Si je ne l'ai pas été, alors on rend grâce à Dieu. Quand on parle de gourmandise, on pense directement à la nourriture. Mais non, pas forcément. La non-volonté de partager et de s'accaparer des choses, c'est une gourmandise. À côté de la gourmandise, il y a la luxure, tout ce qui est lié au vice, au sexe. Comment me comporte? Comment je me comporte vis-à-vis de ce péché? Est-ce que je fais l'effort de l'éviter ou bien est-ce que je flirte avec lui? Si je fais l'effort de l'éviter, on rend grâce à Dieu. Mais s'il m'est arrivé de flirter avec ce péché, alors je dois pouvoir le prendre en considération et le mettre dans mon état de conscience, dans mon examen de conscience, en vue de le confesser. À côté de la luxure, il y a l'avarice. Après, il y a la colère. Après, il y a l'envie. Il y a aussi la paresse. Il y a l'orgueil. Voici les 7 péchés capitaux. Et comme je le disais pour les 10 commandements, nous pouvons observer chacun des péchés et les regarder vis-à-vis de notre vie. Les utiliser comme un miroir. Comment nous nous sommes comportés face à ces péchés? Avons-nous réussi à les éviter? Ou bien nous nous sommes laissés prendre à leur piège? Alors, quand on fait notre examen de conscience en pensant ainsi, on a de la matière pour pouvoir venir à la confession. Pour ne pas aller devant le prêtre et puis dire, mon père, j'ai menti. Je me suis confessé, ça fait 3 mois. Le prêtre va te demander, c'est tout? Tu dis oui, c'est tout. Pardonnez-moi pour mes péchés oubliés. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux dans ta démarche. Parce que tu n'as pas pris le temps de bien te préparer. Et si tu n'as pas pris le temps de bien te préparer, naturellement, tu ne recevras pas toutes les grâces liées au sacrement de la pénitence. Parce que pour bénéficier de toutes les grâces, il faut prendre le temps de bien se préparer. Et le temps de carême est un temps qui nous est offert pour que nous puissions bénéficier. Parce que tout chrétien a l'obligation de se confesser au moins une fois l'année. Et le temps de carême vient à point nommé en vue de nous faire bénéficier des grâces pascales. Voici un peu, on peut multiplier les miroirs, comme je l'appelle, les éléments qui nous permettent de nous mettre en, hein, de nous remettre en question et puis de réanalyser, réévaluer notre vie, notre comportement, notre agir avant d'aller à la confession. On peut même prendre une journée. Comment j'aborde ma journée? Comment je la vis? Comment je la mène du matin jusqu'au soir? Et ça nous donne de savoir qu'est-ce qu'on a réussi et qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. Voici un peu, de manière caricaturée, hein, des éléments qui nous permettent de pouvoir bien préparer notre introduction ou la tête de notre confession. La deuxième partie, comme je le disais, c'est le tronc ou le développement. Alors là, on est devant le prêtre. Bien souvent, c'est cette partie que nous connaissons.
C'est cette partie qu'on nous enseigne à la catéchèse. Mais avant cette partie, comme je l'ai dit, il y a l'introduction qui nous permet de bien vivre ce développement, qui nous permet de bien vivre ce tronc, le tronc qui nous présente devant le prêtre. Lorsque nous sommes devant le prêtre, on commence par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Et on demande la bénédiction de Dieu pour que nous puissions bien vivre ce sacrement. On dit généralement, bénissez-moi Père parce que j'ai péché. Ou bien bénissez-moi mon Père et obtenez-moi la grâce du pardon de Dieu. Alors le Père nous donne la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il nous éclaire l'un et l'autre pour célébrer le sacrement de la pénitence. Il y a plusieurs formules. Celle-là fait partie de ces formules. Alors, lorsque le Père nous a donné sa bénédiction, on rentre dans la confession. Et on commence en rappelant la date de sa dernière confession. On ne dit pas de 10 jours, mois, années, non. Mais, mon Père, ça fait un mois que je me suis confessé. Ou bien nous sommes dans le mois de janvier. Depuis le mois de décembre, je me suis confessé. Ou bien nous sommes dans le mois de mars. Ma dernière confession remonte au mois de février ou au mois de janvier. Le Père donc sait que ça fait peut-être un mois ou deux mois que j'ai fait ma dernière confession. Après donc que j'ai rappelé ma dernière confession, je commence à faire l'aveu de mes péchés. Si j'ai fait un bon examen de conscience, je ne vais pas tituber. Parce que c'est l'examen de conscience que je vais remettre au Père. Je vais lui dire ce qui a été fait, ce que j'ai retenu dans l'examen de conscience. Alors, je lui dirai, mon Père, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Pour cela aussi, il y a plusieurs méthodes. Je peux glisser la confession dans l'acte du confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, Père, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Alors, à ce niveau-là, comme on a dit, oui, j'ai vraiment péché, on déballe ce qu'on a fait comme péché. Et pour rappel, la confession est différente de l'écoute. À la confession, on dit ce qu'on a fait qui est mal. On ne se justifie pas à la confession. On ne vient pas vous dire, comme mon fils m'a fait ça, voilà mon père, j'ai fait ci. Comme mon ami m'a fait ça, alors mon père, j'ai fait ci. Non. Qu'est-ce que j'ai fait qui a offensé mon frère? Qu'est-ce que j'ai fait qui a offensé Dieu? Et on ne dit pas que seulement ce qu'on a fait exprès. On dit aussi ce qu'on a fait par inadvertance. Mais qu'on sait qui est mauvais. Alors, quand on finit ce temps, avec toute la sincérité et toute la rigueur de la préparation, on peut à juste titre mettre cette formule. Je demande également pardon pour les péchés oubliés. Ou je demande pardon pour les péchés dont le souvenir est lointain. Là, cette formule a raison d'être. Parce qu'on a pris le temps de bien se préparer et de venir à la confession. Quand on finit cette partie, la parole est donc donnée au prêtre, au ministre de ce sacrement. Lui, il prend la parole et il fait des orientations, il fait des propositions à celui qui est là pour la confession. Et lorsque nous écoutons le prêtre, nous prenons en compte et en considération ce qu'il nous dit. Si nous avons une préoccupation, nous pouvons la lui demander. Mais généralement, ce sont des orientations qu'on écoute. Et au thème de ces propositions, au thème de ces orientations, il nous donne une pénitence, une satisfaction. Il nous donne quelque chose que nous devons faire. Il peut nous dire, va et tu feras après une dizaine de chapelets. Il peut nous dire, va et tu feras un peu d'adoration. Bien souvent, on pense que c'est toujours des actes spirituels. Non, ça peut être des actes physiques. Il peut nous dire, va, quand tu sortiras, il y a un chantier devant là. On est en train de construire un immeuble. Va et tu donneras ton aide pour la construction. Ça peut être une pénitence. Ou bien, demain, tu iras à l'hôpital pour rendre visite aux malades. Ou bien, tu feras une offrande à telle personne. Donc, ce n'est pas forcément que
c'est la prière. Voilà. La prière, ça fait partie des pénitences. Mais il ne faudrait pas que nous soyons coincés. Quand Dieu vient à la confession, c'est ça que le prêtre doit me dire. Il doit me dire de partir à l'adoration. Il doit me dire de partir faire chapelet. Il doit me dire de demander messe. Non, ce sont des possibilités. Mais il y a aussi d'autres possibilités. En fonction de ce qu'on a dit dans notre confession, le prêtre nous donne quelque chose. Pas pour nous punir, non. Mais pour que nous puissions concrétiser à travers un acte que nous voulons le pardon, nous désirons la miséricorde de Dieu. Et lorsque nous avons fini cette partie, le prêtre nous redonne la parole en nous disant, vous pouvez dire votre acte de contrition. Alors, nous disons une des formules de l'acte de contrition. La plus simple, c'est « Mon Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Je regrette de t'avoir fait de la peine. Aide-moi, je ne veux plus recommencer. » Il y a d'autres formules plus complexes, mais celle-là, c'est la plus simple. Et lorsque nous avons fini de dire cet acte de contrition, le Père alors nous dit la prière d'absolution. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés par le ministère de l'Église qui vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne vos péchés. Le Père donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en tant qu'intendant et ministre du sacrement de la réconciliation, nous donne le pardon de Dieu, comme le Christ l'avait dit et souhaité lorsqu'il rendait visite à ses apôtres apeurés. Lorsqu'il rendait visite à ses apôtres inquiets, préoccupés, après la passion et la résurrection. Alors, nous sommes dans ce sillage. Nous bénéficions de la miséricorde de Dieu. La troisième partie, qui est la conclusion, qui est aussi les membres inférieurs, selon la nomenclature que je vous ai proposée en début, nous donne de pouvoir réaliser la satisfaction, la pénitence que le prêtre nous a proposée lorsqu'il intervenait. Il nous avait dit, va faire le chapelet par exemple, ou bien va demander la messe, ou bien va rendre visite à un parent, à un ami, va te réconcilier avec telle personne, va à l'hôpital faire tel geste. Le plus tôt possible, nous sommes invités à mettre en pratique ce que le prêtre nous a demandé dans la confession. Et c'est avec la mise en pratique de cela que se ferme la confession. Ce n'est pas quand on a fini devant le prêtre et qu'on s'est levé que la confession est terminée. De même que ce n'est pas devant le prêtre que commence la confession. Elle commence, je vous le rappelle, avec l'examen de conscience, ou l'introduction, ou la tête de la confession. Le tronc, le développement, c'est devant le prêtre. Et la conclusion, les membres inférieurs, c'est l'application de la pénitence que nous a proposée le prêtre. Lorsqu'on l'aura fait, alors nous aurons terminé notre confession. Voici un peu des choses que nous devons pouvoir vivre, quelquefois que nous ne savons pas ou que nous ne mettons pas en pratique, bien que sachant. Ce temps de carême nous a été pour que nous puissions revenir sur ces éléments qui nous permettent de pouvoir bénéficier de la miséricorde de Dieu en vue de vivre en enfant de Dieu. Que ce temps de carême nous soit profitable et que nous puissions bien vivre nos temps de confession. Je vous remercie pour votre aimable attention. Que le Seigneur vous bénisse.